ya monyere pe zai ko kende kino na eroli ya ekolo tozali na bitima tozali na mbu yango pe kopesa libakwete ezala na dingumba Mathieu Mudibango monyele e eloli et ça veut dire quoi? To yokola la kelasi les quatre points cardinaux ko bete monyele ezali na est eloli ezali na ouest bongo mordi na sudi ezali nord na sud yango wana babaki ete bale ya Congo yo na monyele kei tina eloli te ya ekola biso Congo démocratique nde yango ekosala ete misala ya boyebi mbisi misalema malamu atako na bituka na bituka lokola na Tanganyika kuna lokola na Nord Kivu epai wapi etima ezali mbisi susu bolinga kulutu yango ti kobete ezali kokufa mbisi ekoli komo bange ya mbisi ekufi kasi na politike ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ekolo na banzi ete ezali masakoli te kasi ekozala na mokolo yoko masuwa makoyebi mbisi makokoto kati ekolo ya biso Congo démocratique pamba temba ya masengeli kosala naino na bayo baza kosala kati ya mokonzi tomoni yango na miso ezali kosalema bango bana sika bazali kosombitela masolo na mokambi ekolo mpona kotalisa ete ya solo mosala mopesi biso tozali kosala yango mabongisi mayemaso masenge mpo ekolo ya biso mpe bana ngumba mokonzi Kinshasa balia esengeli sika ezala malamu mpona yango nde yango ezali kosalema mokomwa lelo nsima ya nzanga lelo eza mokomo esengo lolenge alobaki ete mokomo motikali atako na mokambi ya kopekop ezali bongo lisanga ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosolola mituna biyano na banzi ete ezali koleka na boboto na bondeko na esengo lolenge ezali wana azali koyokamela bosenga bo bango mpe azali kopesa biyano na boko mituna mpe na mayemasalami na mayematikali mpona kosalema mingi mpenza na banzi ete eza miniso abaki so na ntango mayematikali lokola lopital ekosalema bayiki balobi nzela na babali liyanga ekotyama mpe bisika biyiki ezala zando ya botekisi yango awa kati ya kartier Kikole kartier Kikole ezali kola matalatala yenguma mokonzi Kinshasa na komine ya ntsele pamba te ezali komine eye mibu na mibu utokala molulu motali bobomi mbisi mozali kosalema be kaka awa elaki sete ezali mpenza kartier eye eza na mosala mola motali mosali mambisi na ebale ya Congo epesi mokongo epai wa biso tozwami mpona kotalisa ete ezali esengo ekasi mokomwa lelo lolenge babomi mbisi bango wana baza kosala mokambi ekolo soko na mobu moko mbala mibale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutani na bango ezali kotalisa lolenge kani epi melo nini mokambi ekolo azali kopesa misala ya bobomi mbisi kati ekolo ya biso ezali kotalisa esengo ezali ezala na babomi mbisi mpona kotalisa lolenge kani esengeli bana ekolo Congo démocratique basenge kobika na biloko ya bango kobika na mbisi ya bango kobika na eza kobima okati ebale ya bango soko mosala moyikisama okomi meke okati ya mazando mbisi ekomi meke na banzi ete mpudi ekozonga mwa nsima pamba te kolia bio eza na litomba linene kolia bio mpondu ya bino fufu ya bino mbisi ya bino ebale ya bino ezali esengo ekasi mpo ete bana ekolo Congo démocratique ekende atako na bituka ekende bipai na bipai mbisi kouta na ebale ya Congo bakoma yango oyo euti na ebale ya Congo ekozala esengo ekasi mpenza na komona ete misala miye balobi mbisi bazali kosala eza mosala moke te eza mosala mwapete te eza mosala mwapamba te pamba te bino nde bokoleisa babota mayiki okati ya mosala boza kosala bozali bato ya lokumu bozali bato na limemia bozali bato botombwami lolenge mokambi ekolo akotombola bino lolenge mpe misalami ya bino mizali kotombwama mizali kokende oboso kaka mokambi ekolo te ezala ministre aza kokamba ministere ya bobomi mbisi mpe boboko ebibwele ye mpe azali kosala maso po ete yango okende soko misalami ya mbisi mitombwami misalami ya bilanga mitombwami nyonso miza kokende boso ekozala mpenza esengo ya ekolo ya biso Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana na bilili na lipinga lya bebasaka misala ya bobomi mbisi awa kati ya komini ya ntsele mingi mpenza na kartier Kikole bazali kosolola bozali kolanga na bilili bokomona mbisi euti mbe na ebale ya Congo démocratique yango ezali komonisama wana molobi asimbi
abitala ngai mosala mongai nazai ko sala butu moy na ko lia na ko tangisa bana na ko sala manso kati ya mosala moye bongo lolenge bosenga bongo zalete l'hôpital lozala po bango na banze te l'hôpital ko zala zando nene zando ko zala e ko teka masika na lolenge elongo bani pambate ko muna lolenge mokambe kolo ako sala na bango ezali penza bo kebi bonso batata mukonze kolo ezepo na boyo kamere bango po pesi bango biano moko malelo yango ze mokolo monene moko mosengo ko muna ite bana baso ba komini antere esengo yambane pe na bango pambate mbalai bale na mubu moko turba na trimestre ibale yona azela bango longo pona kosola na bango lolenga la beteki moi li solete sans eu tu koleka motoba o mia tukumbana mine ta baje de mokambe kolo azaki omoniele e pa wapi a kende ki penza pona ko bondo mitema ko pesa li salisi li sugi ko solo la kokutana na bande ko babiso bazoki li kama na moto mo ngalaki na ngoma ni la ngongo bongo sika minise mokamisa na bobomimbisi yena azalaki awa leko eye bokono bwa mbala isa to bokono bwa kovi bozali ezaki na mo limpinga moke ezaki penza monene te metere eto samaki e pa pa sora ki na bango maloba nsango pe bisaleri bwa mokambe kolo oyo apesaki bango pote basa mosala mabango malamu soko bilele ngo bya mosala bizali soko bokasi bozali misami ko sala mbalamu misami mbi ko sala ma mizana litomba yeza na babo mbisi yeza na baiba ko somba e pona ni te bane ko ko demokratike baso okati ya nibike elamu eye ekozala na bango baso mbaza esengo pona ko mutsama na maimoso Félix Antoine Sekitu Lombo azai ko beta 7 azai ko tia nesika ya yambo pona ko lia bane ko ko demokratike pona e bike li ya bango pe pona maimoso matali botomba mi au RDC Bosbokotia. De loin où il nous suit, très chers téléspectateurs, nous saluons le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement qui doit certainement capitaliser cette rencontre entre le président de la République et la corporation de pêcheurs regroupée au sein de la coopérative de pêche et de commercialisation de pêche poissons. À Kinkolé, lui qui est le porte-parole du gouvernement, je disais qu'il doit certainement capitaliser cette rencontre qui crée une proximité géographique entre le garant de la nation et la corporation de pêcheurs. Ça fait plus de 20 minutes qu'il s'entretient avec ces pêcheurs regroupés au sein de la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Le chef de l'État est très attentif, comme vous le remarquez, au travers de ces images des girens qu'il a mis avec la complicité de Maxime Androgois qui vous arrive sur votre petit écran, très cher téléspectateur. Il suit de très près et attentivement les préoccupations des pêcheurs. Comme il l'avait fait hein, l'autre fois, un dialogue franc, il n'y avait pas d'intermédiaire. À un moment, les services voulaient même arrêter cette rencontre. Il a dit non, je dois aller jusqu'à la fin, écouter les préoccupations des uns et des autres. Il l'avait fait aujourd'hui, il le refait. Et il est juste en face des pêcheurs regroupés au sein de la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons à Kinkolé. Il est à l'écoute des préoccupations des uns et des autres. Là où il faut trouver des solutions dans l'immédiat, il va le faire. Là où il faut trouver des solutions dans les jours à venir, il va certainement le faire. Parce qu'en moins de 4 mois, le président revient en face de cette corporation, c'est tout dire de sa détermination de soutenir ce corps de métier qui contribue à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo en général et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa qui a plus de 15 millions d'habitants. Il faut certainement une production locale pour nourrir cette population qui a besoin de vivre dans des conditions on ne peut plus décentes. Le président a compris cette préoccupation. La corporation de la population congolaise, pardon, c'est la raison pour laquelle il a donné le coup d'envoi de cette coopérative de pêche et de commercialisation. Ici, nous disons à Kinkolé, demain, ça sera à Kisangani, le lendemain, ça sera à Bunia, et pourquoi pas l'opération s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Mais ce que nous remarquons ici, c'est cette oreille attentive accordée
par le président de la République aux membres de cette coopérative. Il écoute attentivement leurs préoccupations. Il parle peu, peut-être demander quelques petites explications là où il faut un éclairage. Mais le chef de l'État est à l'écoute de des membres de cette coopérative, ce qui est une bonne chose. Wivine Njata, nous osons croire que le président, pourquoi pas, venir demain ou le lendemain, les jours à venir, à la RTNC pour également suivre les préoccupations des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'ils ont énormément besoin d'une bouffée d'oxygène pour faire vivre cette maison. Il y a un peu de choses qui sont en train Kundimaikele kina kata kundimati bonso mpunche nsola na ba lovi mbisi mbasi mbile mwabanda na betu bampazi nsa mbote ya RTNC vitu kifingile alimpi nikusa sula na betu mpamba fe ayopana mpikuwa yini ya betu kena yao bonso yukisa salama bubu yae awa na ba lovi mbisi ayukisa sula na ba lovi mbisi itala mfumi ya insi yandi mosi na bao samu na kumunisa na yandi penza tiyatileka pela mchini betu kisa yabisali na betu pala mampasi ya betu kemonaka pala betu zola mutindi yai ngepe sabetu pidi yai ngepe sabetu maboko na kusumba bafile ngepe sabetu maboko na kusumba mdongisila bafo na sumba mdongisila ngepo na sumbila betu masua masua pesa betu nzila na kuloba mbisi mambo nyosu boye nakata kusola kansina imetela yandi na bao kamera ikelefe betu kibaka na kintama mbomba fe balubi mbisi fona binisa yina baki na yona ntima na kusolula ti yandi na kumonisa mabanza na bao mpamba fe baki na mpasi na ntima bazola bisana bako na ntwala sema na mpasi na bao baki sa solula mbuto yake talaka mambo ya kuloba mbisi mpio kusese bibulu ani mebaka mapana mbuto yake talaka mambo lizungu ya bantu ya ani mebaka mapana baki kaka na kata kuwa kansi balobi mbisi ke solula na mfumu ya insi mnoko na mbobo bao mosi nani general kasongo mbio kusa baka mapana baki likaka baki tala na mesi mekansi mambu nyo soki kusatubama balobi mbisi na mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi mbisi kusamonita mabanza na babu balobi mbisi kusamonita na mfumu bitu zola mutindu ya eni mfumu pesa beto pidi ya eni mfumu pesa beto bisadilu yao ina bali na kata kusolula bao mosi bonso mbisi kusatubama na inu ya pangi blazi mwoko kiati yao lenda suka awa fe bampangi ya nkaka na bisume ya nkaka mpimpama pamba fe na nzadi ya kivu mpi malankata kusa solo na bawe blimu kena kuisa babisika nyonso wa lubi mbisi mwekisa bakama alifona solo na bawe pamba fe mambo ya kuloba mbisi fana kuenda na ntua bitu fana uja mbisi na beto mwosi kati mwete na kata nzadi kongo mpena mamaza ya nene ya beto bambisi ya nene mefuluka ya nkaka hii kusa kufwa yao mwosi yuko kisa pesa mpasa samu nengi bitu jayove bitu fula diaka Thompson bitu melemba yao ina mfumu ya insi yuko kisa pesa maboko na balobi mbisi bitu yuko kisa ni maboso mpangi blesi kukoka mikisa tuba au yuko kisa banda na bao mpia mbasi mbelende kumile bitu pina kompanyi na bitu na RTNC yuko kisa sula na bitu na uzawa mpani nitagumbele zula inki bitu mbelende tuba vinyeve bitu zula mpini ambala yae bisadilu bitu zula mutindi yae bitu zula pidi yae mpamba fe mfumu geva na mutindi unafara kuwa bantu na kusolula na bantu na kuwa mampasi ya bantu au wapenza ine bamatikide kusafuatio na ntima ya kukonda kunuta na nima ya mtu ya nkaka pela dibanza ya kitoko mikusa solula yini mwesi yeni nebe kusamuna ni kusa solula bao ami kusa solula bao na kusolula balubi mbisi na kuzaba nini bafu na tuba nini ya kipasa bao mpasi nini bazula ti bisala bao kwenda na ntwala inki bazula yina ni pesa bao ya wina mfumi ya isi nukusaba kama bubu ya iawa na kusolula balubi mbisi ya komini ya nsele samu na inki vea maluku bani kusaba kama ana kuzaba na kupesa bao maboko mdeve musula mbala yae ya mtindi yetu mwesa tula kisika kubumba mbongo mbasi tafona nini mtawa ngalo kusa mteba kushambu kufuad mbasi lenda tafona nini mtawa ngalo kufa na suda ba masua ina kapesa wawu nzina unuta na nzadi Kongo na kubimisa bambisa mekusa bumbana na insi komini ya kinkole komini ya nsile musula tuba na karti kinkole kala ngeme kusa la lumbi ya suka nifona baka mbisi ya mbote bubu yae kikusa baka mapenza matiki kusa katuka na centre ville ya kusa kitala kusumba mebantome baka mapenza awa na suka ngeme kusa ngefona diambisi ya kitoko yovona tana ntangu yovona yore ponaka ntangu ve yovona nkokile angeta kudiambisi yina kipesa vitu nzia vitu manga babima yi katuka vansi ya banzeza kasi ya mutindi ya mfume nisi kisa pesa vama boko utafanya diaka ntalu ve ntalu lenda kita ina ne pesa betu nzila na kudia mbisi na ntalu mosi ya kufuana kana kansi dibanza ya mbote mekusa bakama na kusalila bao inzo ya bisalu samu na kubaka penza milongo inzo ya bisalu ya mavimpi
yokele bomekusa laka ne mumbe kusa yota kusa soba bosu bomekusa sala bubu yae mpamba ve mafona tumbula luzingu na ba mpangi Blaise Bokoke. Très chers téléspectateurs, nous avions observé un fait. Nous sommes au moins à 40 mètres de là où le président s'entretient avec les pêcheurs regroupés au sein de la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons à Kinkolé. Mais nous avions observé un fait, comme je l'ai dit, à chaque fois que le président prend la parole, il y a un tonnerre d'applaudissements qui s'ensuit, et ce qui veut dire que les pêcheurs saluent bien sûr le mot prononcé par le président de la République hein, pour soutenir cette corporation dans l'exercice de son métier, produire beaucoup de poissons et les commercialiser à Kinshasa pour le bonheur et le plaisir de la population de la ville-province de Kinshasa de se ravitailler ces poissons qui viennent fraîchement du fleuve Congo parce que, nous l'avions dit, manger bio augmente quelques années de plus dans la vie d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle hein, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, encore hein, des tonnerres d'applaudissements, nous observons ça de loin. Très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris justement cette logique de faire nourrir sa population à partir de la production locale. Aujourd'hui, il soutient les pêcheurs. Demain, il soutiendra peut-être d'autres corporations hein, qui contribuent à la sécurité alimentaire dans notre pays. Cet entretien hein, se poursuit sans relâche entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la corporation des pêcheurs ici. Au niveau de la cité de Kinkolé, nous sommes dans la commune de Lancelé. Il est 17h. Juste dans ma montre, j'espère qu'il en est de même chez vous, parce qu'on a toujours dit, chaque montre a son heure, mais hein, c'est pas, il n'y a pas de vantard. Hein. Moi, j'ai le temps universel parce que mon métier exige que j'aie une heure universelle, et c'est la raison pour laquelle je parle de 17h, juste ici, au niveau de ma montre, et ici à Kinkolé. L'entretien ou les entrevues se poursuivent entre le chef de l'État et les pêcheurs regroupés au sein de la corporation des pêches coopératives de pêche et de commercialisation des poissons ici à Kinkolé. Mathieu Modibangou, Kinkolé, c'est l'une, Ntsele, où nous nous trouvons actuellement à Kinkolé. C'est parmi les 24 communes que compte la ville province de Kinshasa, je parle bien la commune de Lancelé. Yasolo, commune Lancelé, ezali yoko okata commune tukumba na mine, yango mamukonzi Kinshasa, kasi ezali commune eye biloko bya Milona, bimaka mike, soko na koti na Milona, na komona mami matali lokola Songo, mami matali Masango, Makemba, biloko bina, biyaka meke. Et à la Kwanga, de Utakameke, la commune Yantsele, le Kolapé Mouningawaye, Maluku et Bakangemi, Kasi, Mingi Penza, Bokesen Bobozali, la commune Yantsele, la quartier Kinkolé, et Zabo Kesen Botali Mbisi, Nebalea Congo. Alors, tu vois, dans le Bala, il y a Kopekop, le Bala, il y a Kopekop, il y a Kinkolé, et Zalibongo, Nabalabala, Eliyanga, Eliyanga, Zalikombo et Mbisi. Na banzete balabala iso ezomi awa na komini ya Kinkolé, balabala na balabala ezena kombo na yango wana mokambekolo ako solola na balobi mbisi yo wana zae kosolola na bango na zae kobete balabala na balabala ezomi awa o quartier Kinkolé ezena kombo ya mbisi mbisi nde ezali bukeseni wa quartier eye o komini ya Ntsele bongo lobala ya bango banso Barobi, Mbisi, Bazomi Okati ya etando ya mokonzi Kinshasa, lobala la bango, Bazomi Bokuna na komini ya Gombe, Kasipona Kopekop, Bangonde Bazomi, Awa na Kinkolé, na komini ya Ntsele,
ezali bongo makanisi maye misala mira mise ko salema lisango kosangisa lisanga bayeba so basala ka misala ya bango bazabe na lingomba lyoko nebete lisanga lizali bokashi lisanga lizali botumbwami lisanga lizali bopikiki soko bango baso bakoza lisanga lyoko misala ya bango mikosalema oya sali mibale oya sali misato oya sali moko oya sali zomi bosangisi ekokoma meke ekokoma meke kasi soko motola motola kosala ngambo ya ye na lolenge na ye omone te kozala penza malamu te yango mpona mokambi ekolo esengeli banso basala nde lisanga batombola mosala mwa bango okati ya kopekop batombola misabi eza kosala okati ya be basala misabi balobi mbisi bapapa bazali bamama bazali mpona kotalisi ete ezali mosala molamu moto akosala yango aza na esengo moto akosala yango aza na lolendo ya mosala mwa ye pamba te ezali mosala molamu obi mosala mwa molesi bato mosala mwa molesi mabota awa kati mwa mokonzi Kinshasa ezali mosala moye ezala nkolo nzambe ali komona ezala nkolo nzambe akopambola pamba te okosala mosala monene mosala mwa boleisi mosala mwa bosungi mosala mwa bopesi bilei na mabota ya bana ekolo Congo démocratie na mabota ya ma mokonzi Kinshasa nyonso maye mazali mosala monene bongo oza kosalema bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali wana koyoka moko na moko likanisi azali kobimisa moko na moko oyo ezali bosenga bwaye mpona koyeba bongo kopesa eyano kotala ete biso banso yo esika ozali kosala ngai esika nazali kosala ngai mpene elobeli ya ngai yo mpe kuna ozali kopepa ebale yo kuna ozali kobwaka monyama oyo mosusu akobeta ndobo ya ye mosusu akotambola na bwatu mpona koboma mbisi biso banso soko tosangisi misalami ya biso lisanga tosangisi misalami ya biso bomoko tokosala mosala malamu tokotumba misalami ya biso tozali kosala litombale yango ezala ebandeli ezala suka ezalaka nde mpo bana ekolo bali ya malamu bali ya mbisi ya mai nakobeta sete mbisi ya mai eza kobima okati ya ebale ya bango moko eza kobima okati ya bitima ya biso moko kobima okati ya mu ya biso po ete esunga mpenza na lolenge elongo bani talaka likanisi lie ezali kokutana emonisa ya mokambi ekolo okati ya mabanzo mabalobi mbisi ezali kobota soki emonisa ya mokambi ekolo eyingi okati ya bango oyo tozali komona bilembo byango omoni lelo ezwama esika eye bakobumba mbisi ezwama esika eye bakosala mosala mwa botekisi mbisi malamu ebombami esika eye bato banso bakutani mpo ete mosala mwa bango mosalema malamu mpenza esengo ngai namoni yango kaka ngai te eza ndeko yanga blaise bokokya lolenge balobi mbisi babeti maboko makasi epai na mokambi ekolo natalisi ete ya solo mosala mwa bango longonia mosala mwa bango moko kende oboso elongo na emoniseli ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka ngo kata disikule ya ye mokolo akokamata mpivo mpona ntina bomemi mbongwana omambi maike mbongwana mibikeli ya bana ekolo mbongwana omisala ya ndenge na ndenge misala ya bolobi mbisi ezali mpo kati ya kompani ya mwa mike mpe mwa monene soki okosalema na lolenge ya malamu lolenge babengaka petite moyenne entreprise ezali kompani ya mwa moke mpe mwa minene oyo kosunga ete etombola misala mike bolobi mbisi ekopesa misala na bilenge bolobi mbisi ekokela bisika bya ndenge na ndenge biyebi kosunga ete ezala quartier Kinkole okomini ya nsele ezala quartier Nzike ezala komini esusu ezwa mpe ebikelelamu nzela ya komini yoko pamba te komini eye soki eboti malamu osala motali mombisi ekokende komini iso tokolia yango tokolia malamu kokoma ao kati ya komini ya nsele na quartier Kinkole eza nango likamba te kokoma na lopete okokuta yango na maboke lolenge etekamaka na tono lokola etyami po mbisi ekendaka malamu na nkwanga te yango nabi ete ezala quartier ekinkole kwanga etekamaka nyonso ezali kosalema
nde yango mokambe kolo azali kokumisa misalami bango bazali kosala balobi mbisi azali kokumisa lolenge seleli ya bango kasi sika alikete bayikisa lolenge kosala yango bayikisa motango mwa misabe za kosala po ete mbisi ekoma meke mbisi okati ngba mokonzi Kinshasa eza okati ya mazando mbisi okati ngba mokonzi Kinshasa eyama na olenge elongo bani wana makanisi masolo mai mazali na mokambe kolo Blaise Bokotia. Voilà, entrevue terminée, très chers téléspectateurs, entre le président de la République et la corporation des pêcheurs. Le chef de l'État sort de là où il a conféré avec les pêcheurs. Il salue cette population qui a fait le déplacement de l'avenue Lianga pour accueillir chaleureusement le garant de la nation. Le voilà en gros plan. Qui va rejoindre d'un moment à l'autre sa Jeep pour regagner le centre-ville de Kinshasa. La destination, nous ne savons pas, mais la direction, certainement, au niveau du centre-ville de Kinshasa. Il salue le comité d'accueil. Et vous avez remarqué également la présence du ministre Molendo Sakombi des Affaires foncières. Le ministre Adrien Bokelo Djema de la Pêche, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentil Ngobila, Sylvano Kasongo, commandant de provincial, la police nationale congolaise. Voilà les derniers entretiens avant que le chef ne monte à bord de sa Jeep pour partir de l'avenue Elianga où il venait de soutenir. Cette corporation des pêcheurs et s'entretenir également avec cette corporation des pêcheurs, enregistrer la préoccupation des uns et des autres afin de trouver des solutions idoines à leur desiderata. Le président de la République, d'un moment à l'autre, il va quitter l'avenue Lianga. On voit comment les services se bousculent et pour le départ du chef de l'État, c'est tout à fait normal. Mais en attendant, il y avait un chapelet des revendications de la population de Kinkolé, revendications au nombre de quelles figures, la réhabilitation de l'avenue qui mène vers le port et également le travaux de lutte anti-érosif au niveau de. Avant d'atteindre le port, il y a une grande érosion qui s'est créée et la population a demandé, même de loin, au président de la République de prendre à bras le corps ces dossiers avant de monter, de partir, pardon. Il salue la population. La population a demandé au président de la République de prendre à bras le corps quelques desiderata, notamment la réhabilitation de l'avenue qui mène vers le port et également les travaux anti-érosifs au niveau de l'érosion, la grande tête d'érosion qui s'est créée juste à la descente avant de rejoindre les mamans qui vendent les maniocs et autres marchandises qui viennent de l'Équateur, de Bandundu. À partir du fleuve Congo, il faut ici dire que le port de Kinkolé, c'est un grand port, un vrai centre commercial où les produits vivriers sont vendus de nuit comme de jour, le jour, pardon, pendant la nuit, pendant le jour, ici à Kinkolé. Et beaucoup de gens quittent le centre-ville pour venir s'approvisionner, surtout le week-end, ici au niveau de Kinkolé. Voilà. Mission terminée pour le président de la République. Mission terminée pour le président de la République ici. J'espère qu'il va encore revenir parce qu'en moins de 6 mois, il est passé ici à Kinkolé. Il était au mois de mars et le revoici au mois de juillet. Monsieur le ministre Adrien Bokelo Djema, vous êtes ministre de la Pêche. C'est un honneur mérité pour vous de voir le président de la République s'intéresser à cette corporation, à la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons qui revient dans vos prérogatives. Oui, monsieur le journaliste, effectivement, c'est un honneur. Je crois que les gens ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ça, c'est une première que nous sommes en train de vivre. Depuis des lustres, est-ce qu'on a vu vraiment
un président de la République être en contact permanent avec les pêcheurs. C'est vrai, nous avons connu pendant la Deuxième République le maréchal Mobutu l'a fait. Et le 24 juin, hein, qui était transformé en meeting, une journée de poisson. Ça, c'est vrai. Mais celui-ci, c'est même en dehors du 24 juin. Il est là, il pactise avec eux, il parle avec eux, il échange avec eux pour qu'on lui donne toutes les stratégies. Et vraiment, il nous facilite la tâche, c'est un honneur pour nous. Au moins pour une fois, on peut dire que la pêche devient de plus en plus un secteur important. Parce que jusque avant son arrivée, c'est un secteur oublié. Voilà ce que je peux dire. Mais vous étiez là, hein, pendant les entrevues entre le président et les pêcheurs, qu'est-ce que vous aviez retenu comme préoccupation des pêcheurs et la réponse du président de la République? Bon, d'abord on a fait le point, parce que vous êtes sans ignorer que le président de la République est passé ici le 7 mars. Les pêcheurs lui ont parlé. Et il avait pris des engagements, des promesses fermes. Alors il était question pour la deuxième fois de faire l'évaluation des promesses faites par le chef de l'État. Et le chef de l'État avait promis entre autres que le port de Kinkole soit remis aux pêcheurs. C'est ce qui vient d'être fait. Le port est remis, la délimitation a eu lieu avec les services des cadastres. Et il ne reste plus que l'érection d'un débarcadère, donc intégré, où il va y avoir dans plusieurs activités donc pour les pêcheurs. Bon, il y a l'aspect de l'Office national de pêche qu'il faut créer pour l'encadrement des pêcheurs. Bon, là, c'est au niveau du texte. Le texte est déjà élaboré. Le texte est soumis au niveau du gouvernement national. Je crois que si ce n'est pas la semaine prochaine, l'autre semaine, on va l'examiner. Avant que le Premier ministre ne signe le décret, parce que l'Office national de pêche étant un établissement public, donc sa création doit être faite par décret. Et c'est ce qui va être fait, et on va devoir mettre en application les dispositions donc contenues donc, dans ce décret-là. Content d'avoir reçu le président de la République ici à Kinkole? Tout à fait content de l'avoir reçu, d'avoir parlé longtemps avec lui, avec les pêcheurs. Les pêcheurs se sont exprimés et vraiment c'est une satisfaction hein, donc du ministère au-delà d'être une satisfaction. Juste une question de Mathieu Moudibango en Lingala, questions posées au ministre de la Pêche. Excellence, la Sanza Motoba Tozalaki Awa. Au Pesaki, ma pêcheur, filet, nobo, le long, mokambekolo ayawa. Importance ni les opesamana au Italie, Bolo Bimbisi, Pebouele, au Katekolo Abiso. Mais vraiment, ndeko nakansi na uti ko lobana lopoto bisonyon suto yebi ke ndenge makambo zako sa maliboso secteur ya pêche ezaka lokola secteur moko yo penza bato babosana to yebi yango bisonyon suto mais oyaye ya sika kosololana ba pêcheur kolobana ba pêcheur koyokanana ba pêcheur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme par exemple les SICO, tu as une séance de travail. Na kosa la nini, gouvernement n'angaï. Et kosa li sous nini. Ba lobby. Le kola ba lobby qui le 7 mars. Alors, le 7 mars, tout ça. On est la Makambouana. Pour que dans les 3 mois, 4 mois, en tout cas, tout le monde a quand même aussi ça. Dossier na Bangouana par rapport à la Makambou Bapouzi. Est-ce que le ministère est collé Sabambotama, Mbisika, Kao et Kobimanama Bélé, Nabiso, Tokoja Soutena na Libanda? Ndeko waneza et Tumba ou Tozo Bunda. Parce que Wanana Lobaki Awate, Poezali, Eloko Moko, Oyo et Sengela Kite na Lobawa. En plus, qu'il faut tous en ba pêcheur Awa, tous encadrer Bango, et Zaka ba pêcheur Yakinko l'été. Faut ba pêcheur, il y a. Pays n'a pas son mobile.